Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve avec une vidéo que j'attendais, mais tellement, vous n'imaginez même pas à quel point je suis contente. Vous avez reconnu. Les vrais ont reconnu, c'est obligé. C'est obligé que vous avez reconnu. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas Ardotte? Franchement. Si vous connaissez pas, vous allez apprendre à connaître et vous allez voir que vous allez aimer. C'est sûr, moi je vous le dis, moi j'aime déjà à l'avance. Voilà, ça va être mes rangements chouchous. C'est sûr à 100%. Je vous en ai déjà parlé, ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir une boîte de rangement de chez eux parce que j'ai vu les vidéos des copines, parce que voilà, je m'informe et m'instruis sur tout ce qui est art thérapie, vous le savez, notamment le diamond painting. Et là, clairement, c'est le rangement qu'il me fallait parce que, comme je vous ai dit, j'utilise principalement des sachets zip. Faute d'avoir de boîte. Parce que je ne suis pas une collectionneuse de boîtes, en tout cas pour l'instant. Ça va vite changer, c'est sûr, quand je vois la beauté, rien que là déjà du motif. Mais les sachets zip, ça a ses inconvénients en fait, hein. Clairement, je vous ferai des vidéos TikTok parce que c'est principalement pour ça que j'ai reçu cette box-là. Je vais vous montrer clairement les rangements qu'on avait avant. Et ça va me changer la vie, moi et à ma fille hein, d'ailleurs, parce que là, vous avez dû voir dans le dernier unboxing qu'elle a commencé la toile du petit Nymphali, qu'elle n'arrête pas de faire depuis que j'ai tourné la vidéo. Le problème, c'est qu'en fait, elle met des diamants partout parce que bah, c'est pas pratique quoi. Les sachets zip, c'est vrai que c'est pas. C'est bien, c'est sûr, c'est à moindre coût. Mais en fait, c'est franchement, c'est contraignant au quotidien parce que les sachets, ils sont pas toujours de bonne qualité. Des fois, ils cassent, après, ils ferment plus. On en met partout. C'est pas assez précis, je trouve. Voilà. Et donc, je voulais absolument avoir une boîte. Et quelle fut pas ma surprise de voir que Ardotte m'avait envoyé un message sur Instagram. Autant vous dire que j'étais joie. Vraiment joie, j'étais trop 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 contente et trop fière. Voilà, ça me fait super plaisir. En plus, la personne avec qui j'ai parlé, Esther, a l'air adorable. Donc, voilà, j'étais d'autant plus contente. Après, on a fini d'échanger par mail pour que ça soit plus simple. Et donc, j'ai choisi un rangement. Bien évidemment, c'est le premier article que je voulais tester chez eux. Vous vous doutez bien. Et elle m'a envoyé cette petite beauté, j'aime beaucoup le motif. Et pourtant, vous savez que je suis pas très fleurie, etc. Mais je le trouve trop, trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire. Mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Pour tout ce qui est information qui pourrait vous intéresser, au niveau de la livraison, le gros point positif d'Ardotte, c'est qu'il passe par les entrepôts d'Amazon. Ce qui veut dire que c'est un envoi très, très rapide. Quand vous passez commande, clairement, c'est envoyé très très rapidement. Ils ont un site internet et ils ont une boutique sur Amazon. Et donc forcément, bah, leur entrepôt, enfin leurs produits sont localisés là-bas. Et je trouve ça top parce que du coup, c'est super rapide. Vous avez la livraison gratuite, si je ne me trompe pas, sur Amazon. Et vous allez voir que si vous passez par le site internet, vous pouvez aussi avoir la livraison gratuite. Grâce à Bibi. Ça, je vais vous expliquer ça tout de suite après. Donc voilà, ça déjà à ce niveau-là, vous n'avez pas de souci au niveau de la livraison, c'est rapide. En général, c'est gratuit. On aime quand c'est gratuit. Après, au niveau des produits, vous avez tout ce qui est boîte de rangement comme ça, vous en avez aussi des unis, vous avez plusieurs tailles de boîte de rangement. Si je ne me trompe pas, on va voir ensemble, normalement là c'est 60, dans mon cas c'est 60 petites boîtes de rangement. Vous avez des rangements avec des boîtes rondes, des boîtes tic-tac qui sont apparemment de très bonne qualité qu'il faudra que je teste un jour. Vous avez aussi un système de rangement, je vous mettrai les photos, hein, ça, vous verrez, ça sera plus simple. Vous avez aussi un système de rangement qui s'emboîte avec des boîtes tic-tac, enfin voilà, vous avez vraiment plein de choses. Et depuis pas si longtemps que ça, ils ont aussi des pochettes de stockage pour ranger en fait nos diamants painting en plusieurs tailles. Vous avez la A1, A2 et A3 si je me trompe pas. Et en fait, vous avez pour la A1 jusqu'à des toiles qui peuvent faire entre
Alors, on va dire 50 par 70, ça passe sûr. Vous pouvez même taper jusqu'à 80. Voilà. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, vous avez différentes tailles aussi pour pouvoir ranger tous vos diamants painting, soit en cours, soit à faire, soit qui sont déjà finis. Ça, c'est à vous de gérer. Voilà, vous avez quand même pas mal de choses, hein. Franchement, ça a l'air de super bonne qualité, moi, de ce que j'ai pu en voir. Donc, on va découvrir ça ensemble. Ça va être un test et j'ai bien, bien hâte de découvrir ça avec vous. Voilà, j'ai retiré le film plastique. Moi, c'était pas livré dans un carton, c'était livré comme ça dans un plastique. Bon, personnellement, j'ai pas de soucis au niveau de mes livraisons. Donc bon, ça m'a pas dérangé. Soyez pas surpris si vous envoie la box comme ça. Peut-être que moi c'est exceptionnel, mais en tout cas moi c'était pas dans un carton. Ce qui n'est pas plus mal, ça évite de devoir à recycler le carton. Voilà. C'est les cartons Amazon en général, hein, vous les connaissez. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. La boîte est comme ceci. Vous avez les petits leur logo en fait Ardot ici. Vous avez la poignée qui est super résistante et en plus je viens de voir qu'elle était elle se règle en fait comme ça. Vous voyez? Ça veut dire que vous pouvez partir avec sans souci en voyage. Voilà, ça a l'air de super bonne qualité, hein. Je pense que vous pouvez voir la couture. C'est fou. Et vous savez que j'ai fait de la couture et que bah, du coup forcément on me la fait pas à moi. Et là franchement ça a l'air nickel. Bon, on va ouvrir ça ensemble. J'ai bien bien hâte. Je la découvre en même temps que vous, je vous préviens. Je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Je vous ai attendu. Alors. On est parti. Vous êtes prêts? Tadam! Franchement, il y a de quoi faire. Bon, alors, je vais essayer de vous montrer, mais j'ai peu de place, peu de recul en fait, sur mon bureau. On va y arriver. Bon, ça, c'est, vous savez, c'est pour éviter que ça moisisse, etc. Voilà. C'est obligatoire. Vous avez 60 petites boîtes comme ça. Je n'ai pas de DP qui fait 60 couleurs. Un jour, ça arrivera. J'ai très envie de tester. Mais vous savez que j'aime pas trop les confettis. Mais le gros avantage, c'est qu'en fait, ça vous permet quand même de pouvoir le diviser. C'est-à-dire que si vous avez une petite toile, vous pouvez faire une partie une toile, une partie l'autre. Voilà, c'est pas un problème. Moi, je pense que c'est comme ça que je vais l'utiliser. On va pas se prendre la tête là-dessus. Au niveau des petites boîtes, elles sont comme ça, transparentes. Ça a l'air de très très bonne qualité. Vous en avez donc 60. Dans chaque petite boîte comme ça, dans chaque petit contenant, vous pouvez mettre environ 10 grammes de diamants ou 2000 pièces. Voilà, à peu près. Donc ça contient quand même pas mal, comme vous pouvez voir au niveau de ma main. On fera le test de toute façon pour savoir combien ça contient, mais je pense que ça en contient pas mal. Quand j'aurai un sachet, on testera. Là, j'en ai des diamants, mais je sais pas si je vais en avoir 2000 pour qu'on teste. Je regarderai. Mais en tout cas, voilà, ça contient pas mal, ça se voit. Voilà, pas de souci là-dessus. C'est rangé dans une mousse comme ceci. Vous voyez qui est très très épaisse. Et ça, c'est un gros point positif parce que du coup, il n'y a pas de risque que ça se casse. Parce qu'il y en a certaines où du coup, la mousse est beaucoup plus fine. Elle fait la moitié de ça. Et du coup, ça tient pas la route. Donc c'est quand même dommage parce que vous allez quand même manipuler beaucoup de fois. Vos pots, donc ça serait quand même dommage. En dessous, voilà, ça se passe comme ça. Il n'y a rien de spécial, mais ça veut dire que si les diamants tombent, vous pouvez les retirer pour pouvoir les récupérer. Ça aussi, c'est pas mal. Et puis on va passer aux petites surprises, si on peut dire ça, parce que vous avez la boîte qui est déjà vraiment top. Et vous avez en haut une partie rangement. Comme si ça suffisait pas, hein, franchement. Alors, on est parti. On va sortir tout ce qu'on a dedans. Déjà, vous avez un filet comme ça, qui est assez solide. Ça vous permet en fait vraiment de ranger dedans. Moi, je sais que je vais y mettre mes diamants trop, je vais y mettre mes feuilles de suivi. Enfin, voilà, je vais y mettre pas mal de choses. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop, vous avez ceci. Vous pouvez vous dire qu'est-ce que c'est?
Je vous ouvert, ça donne ça. C'est un entonnoir en silicone, en fait. C'est super pratique. Comme ça vous permet de pouvoir ranger vos diamants dans vos petites boîtes. Voilà, ça, c'est super pratique. Nous avons ensuite, dans un gros sachet zip, je vois un truc qui m'intéresse grandement, c'est le grand plateau. Alors, vous avez petite barquette verte, vous en avez deux que je vais garder puisque ma sœur m'a fait un système imprimé en 3D pour mettre des barquettes et pour pouvoir ranger aussi, et donc j'en ai bien besoin. Donc ça va être pratique, ça va bien m'aider. Vous avez une pince. Bon, personnellement, celle-ci, je m'en sers pas. C'est des petites pinces comme ça, mais bon. Je m'en sers pas pour le diamond painting, mais ça me servira pour autre chose. Vous avez plusieurs stylets. Hop. Avec les embouts simples. Et multiplacer. Ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Comme ça, si vous en avez pas, c'est plutôt pratique. Au niveau des nombres de diamants, je pourrais pas vous dire. Clairement, je ne m'en souviens jamais. Je crois que celui-là, c'est 2. Je crois que celui-là, c'est 4. Celui-là aussi, je crois. Et celui-là, c'est 6 ou 8. Je sais jamais. Voilà. C'est vrai que je m'utilise pas forcément de multiplaceur au quotidien. Soit j'utilise la pince, soit j'utilise mon stylet. Donc c'est vrai que je m'en sers pas forcément. Mais par contre, ma fille commence à s'y mettre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous avez des sachets zip, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup ça peut toujours servir pour ranger le reste de diamants et mettre là. Vous avez tout ce qui est petit autocollant à placer, en fait, ces petites pastilles à placer sur votre boîte. Comme ça, en fait, vous pouvez soit écrire la DMC, soit écrire le symbole ou un chiffre. Voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, nous, on écrit en général les symboles, comme ça c'est plus facile et vous en avez quand même pas mal. Voilà, vous avez quand même tout ça. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous avez quand même de quoi faire. Vous avez pas mal de pain de cire. Alors c'est vrai que la cire comme ça, un peu rose pâle, elle est moins efficace, je dirais, que celle qui est bien bien rouge. Mais clairement, pour le multiplacer, ça peut être pratique. Voilà, vous en avez quand même pas mal. Vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq, ça fait 10. Voilà. Ça vaut le. Franchement, c'est pas mal que ça soit là. Et vous avez un grand plateau comme ça. J'adore ces plateaux-là. Moi, je ne suis pas embêtante. J'ai même un plateau que j'avais acheté exprès d'une artiste. Et clairement, je vais devoir le revendre parce que je ne m'en sers absolument pas. Voilà, donc c'est dommage. Tout ce qui est imprimé en 3D, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que là, moi, c'est un plateau en résine. Et clairement, je m'en sers pas. J'ai du mal, en fait. À l'utiliser au final, donc je reste vraiment sur mes barquettes principales ou imprimées en 3D. Donc celle-là, là, avec le petit embout comme ça, c'est super pratique. Ma fille, elle utilise la toute petite et elle l'aime beaucoup. Et vous avez ceci qui vous sert en fait à replacer vos diamants et à les mettre correctement. Et aussi, ça peut vous servir à enlever tout ce qui est bulle sur les feuilles plastiques de nos diamants painting, de nos toiles. Donc ça peut être très pratique. J'en avais pas et je suis bien contente de l'avoir parce que ça peut vachement servir. Voilà, vous avez quand même tout ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà, j'ai tout rangé. Écoutez, c'est nickel. C'est pratique à ranger, hein, franchement. Et quand vous avez fini, vous avez juste à la fermer. Hop, vous mettez aux fermetures et c'est fini, on n'en parle plus. Elle est très très belle, j'ai bien hâte. J'attends des toiles, donc je me demande si je vais pas attendre d'avoir mes toiles pour l'utiliser. Je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Sinon, je mets peut-être ma toile panthère. Je ne sais pas, je vais réfléchir avec moi-même. Mais voilà, en tout cas, je suis trop 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 contente, vraiment. C'est une boîte que j'adore et même les unis, je les trouve très sympas, donc j'ai bien bien hâte de pouvoir m'en servir, vraiment vraiment. Et pour les petites informations, ce qui change la donne pour moi dans ce magnifique partenariat, c'est que j'ai enfin une affiliation. Et autant vous dire que je suis plus que contente d'avoir mon première affiliation avec Ardot. Vraiment, ça me fait bien plaisir. Vraiment, ça me touche beaucoup qu'ils me fassent confiance. Pour vous expliquer, en fait,
Quand j'ai un code promo, je n'y gagne strictement rien, c'est pour vous, ça me fait plaisir de vous le partager. En général, j'en demande un exprès pour que vous puissiez avoir une réduction dessus. Là, c'est clairement eux qui m'ont proposé d'être affiliés. Ça veut dire qu'en fait, que vous utilisiez mon lien ou un code que je vais vous donner juste après et que je vous mettrai en barre d'infos, vous, déjà, ça vous fait une réduction de 10%. Donc ça, c'est quand même génial. Plus la livraison gratuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous avez et 10% en moins et la livraison gratuite. Donc ça, je suis trop contente pour vous parce que ça me fait vraiment plaisir que vous puissiez en profiter. Et moi, sur vos achats, dès que vous allez passer par ce lien ou ce petit code que je vais vous donner juste après, eh bien, j'aurai un petit pourcentage. Voilà. Donc forcément, ça va m'aider. Je vais pouvoir le réinvestir dans des toiles, etc. Et ça, c'est plutôt chouette parce que j'ai très envie de vous faire découvrir plein de choses. J'ai une tonne d'idées. Et c'est l'occasion. Franchement, c'est l'occasion. Donc voilà, si vous craquez pour ces magnifiques boîtes de rangement ou vous allez voir les livrets aussi qu'ils font pour ranger nos diamants painting, nos toiles, qui sont de très très bonne qualité, n'hésitez pas. Et si vous voulez me soutenir, et ben voilà, n'hésitez pas non plus à utiliser le lien, sachant que le code est à utiliser que sur le site internet. Il n'est pas utilisable sur Amazon. Voilà. Mais la livraison reste la même. Comme je vous ai dit, que vous passiez par le site ou par Amazon, ça changera strictement rien pour vous. La livraison sera identique. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée d'avance si ça vous fait craquer, mais clairement, eh ben, on est dans la même. Voilà. Hein? Comment vous dire? Qu'on va finir par des collectionneurs compulsifs à force avec toutes ces nouveautés. Mais voilà, je suis trop trop contente. Je remercie encore énormément Ardot et notamment Esther avec qui j'ai parlé qui est adorable. Vraiment, encore merci. Voilà, ça me touche beaucoup. Vous imaginez même pas à quel point et en ce moment j'en avais bien besoin. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Hein. Je vous mets toujours tout en barre d'infos. Vous avez les endroits où vous pouvez me parler, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a aucun problème, je vous répondrai de toute façon. Voilà, avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez, si vous avez déjà testé, si vous comptez craquer, bien évidemment. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.